Pour ceux qui les ont connus, les années 90 ravivent les souvenirs des boys bands, du 501 de Levis et de l'avènement de la technologie. Ces références ont traversé les années jusqu'à aujourd'hui. Que représente cette décennie pour ceux qui ne l'ont pas vécue ? Les années 90, c'est une décennie qui est très riche au niveau culture. Je pense directement au rap. Je pense aux Red Hot Chili Peppers. Fin des années 90, il y a aussi le groupe Muse qui s'est formé. J'écoute beaucoup, beaucoup de ces groupes-là. Pour moi, c'est à ce moment-là que c'était l'âge d'or de la musique. Évidemment, il y a le style des années 90 qui revient très fort aujourd'hui. Les chemises ouvertes comme ça, bah, des pantalons larges aussi, des jeans, beaucoup de jeans. La façon dont Cyndi Lauper s'habillait, assez flashy, baggy, avec des vestes en cuir. Je pense à tous les habits dans Friends, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup regardé Friends et je regarde encore beaucoup Friends. Et c'est vrai que quand je pense aux années 90, je pense à cette série-là. Alors que j'imagine que c'est pas du tout représentatif, enfin c'est partiellement représentatif, j'imagine, des années 90. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Moi j'ai l'impression qu'on garde souvent une version romancée des choses, et de cette décennie-là pour le coup. Alors je pense que ça me dérangerait pas de vivre avec la technologie des années 90. Maintenant, est-ce que je préfère vraiment leur technologie à celle qu'on a aujourd'hui ? Je pense pas. Maintenant, clairement, je pense qu'on a évolué dans les mentalités. Donc, retrouver un peu une vibe comme ça, au niveau du style vestimentaire surtout, et de la musique qu'on écoutait, ouais, pourquoi pas ? Pour moi, les années 90, je vois un peu cette décennie comme une période de transition. Parce que c'est le début d'Internet, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Le regard qu'on porte sur une décennie qu'on n'a pas vécue est parfois idéalisé. Julie et Sophie n'étaient que des adolescents dans les années 90 et elles reviennent sur les événements qui les ont marqués. Jean-Jacques de Gaint, président du Centre d'Histoire de Bruxelles, y apporte son expertise. La guerre des ordinateurs pour attaquer l'empire de Bill Gates, Apple vient de sortir un appareil à la fois sophistiqué, simple d'utilisation et beau. iMac ou quand l'informatique devient un jeu d'enfant. La décennie des années 90 est celle de l'informatique, et en particulier de l'informatique personnelle. Le micro-ordinateur se propage dans les foyers occidentaux. On n'a pas tous eu accès à Internet en même temps. Moi, j'ai eu un PC chez moi très tard. Quand il fallait se connecter, c'était encore le tuit pendant 20 secondes. Au début des années 90, apparaît l'application la plus connue d'Internet aujourd'hui, le World Wide Web. Ce qui a été le plus frappant, je pense, à l'âge que j'avais, c'est le fait de pouvoir chatter avec les autres personnes en direct. Toutes ces idées ont été développées au CERN par deux personnes, un Américain, Tim Berners-Lee, et un Belge, Robert Caillot. Maintenant, on a besoin de tous ces outils, notamment pour la comptabilité et surtout pour la communication, et je ne suis pas du tout à niveau. Et le téléphone devient, lui, incontournable. Quand j'étais jeune, même jusqu'à 19 ans, je n'avais pas de GSM. Et je n'avais même pas de téléphone chez moi. Donc quand je devais téléphoner à des amis, je devais aller chez ma grand-mère, on se mettait des rendez-vous, tandis qu'ici, pour 3 secondes, quand on n'a pas de GSM, on se sent tout perdu, alors qu'avant, on faisait tout sans. Autre dossier dramatique, la guerre au Rwanda. Le Conseil de sécurité tente de négocier une trêve entre les forces gouvernementales et les rebelles. En attendant, après le départ des casques bleus belges et français, les combats, ou plus précisément les massacres, ont repris. La décennie 1990 est celle de la recrudescence de guerres locales. À un moment de joie, la chute du mur de Berlin succède à un moment de désespoir, les guerres régionales qui reprennent. La Yougoslavie, la Tchétchénie, mais aussi le Congo, dont on reparle encore beaucoup aujourd'hui. On a vu vraiment toute la bestialité des gens dans ces conflits-là. Plus dur, le génocide des Tutsis au Rwanda fait 800 000 personnes
assassiné en 3 mois en 1994. Et puis eux, ils se battaient sans armes à feu. C'était encore avec des machettes. Et donc, quand on regardait les reportages à la télévision, on voyait que des corps qui étaient mutilés. C'est le procès que toute la Belgique attend. Il débutera lundi, celui de Marc Dutroux. Le pédophile belge est incarcéré depuis août 1996. La population veut maintenant connaître la vérité sur les circonstances de l'enlèvement de 6 fillettes et la mort de 4 d'entre elles chaque soir jusqu'à lundi. Plus près de chez nous, 1996, l'affaire Dutroux. Cette affaire criminelle au retentissement mondial porte sur les meurtres de fillettes et d'adolescentes. Mélissa, ta maman, ton papa, ton frère, toute la famille, tous nos amis ne font plus qu'une seule chose depuis que tu es partie, te chercher. Ça a beaucoup marqué les esprits. C'est vrai qu'avant l'affaire du trou, on était moins attentif envers les jeunes enfants. Moi, quand j'étais petite, on me laissait aller jouer pendant des heures. Je pouvais revenir quand je voulais, on ne se tracassait pas. Et après tout ça, ça a été terminé. Le 20 octobre 1996, une marche blanche rassemble 350 000 participants. C'est le plus grand nombre de participants à une manifestation qu'on ait jamais vue en Belgique. J'ai vécu d'une façon différente parce que j'habitais Marcinelle. Et donc, il m'arrivait souvent de descendre l'avenue Masco, qui est vraiment à côté de la maison de Dutroux. Et donc, quand il y a eu toute cette affaire-là, je me suis dit, je suis passée à côté de la maison du diable. Cette manifestation bouleverse la classe politique et fait entreprendre de profondes réformes institutionnelles toujours en cours. Les dysfonctionnements de la justice et les rivalités policières mises au jour à cette occasion provoquent d'importants remous menant à la réforme des polices belges. En 1998, elle débouche sur la création de Child Focus. Et c'est vrai que cette affaire a beaucoup marqué les esprits dans les années 90, mais aussi au début des années 2000. D'ailleurs, moi, je suis devenue maman en 2002 et j'avoue que au début, quand ma fille était petite, on y pensait beaucoup. J'ai eu le même comportement que je pense tous les parents à ce moment-là, c'est qu'on a continué à vivre dans cette peur-là. La médiatisation de l'affaire incite le législateur à engager une réforme du code pénal qui n'est toujours pas terminée. Depuis les années 2015-2016, cette affaire du trou résonne toujours de fait qu'il y a toujours des affaires qui sont vraiment maintenant quotidiennes ou hebdomadaires, et ça c'est vraiment décevant. Alors peut-être qu'avant il y en avait autant, mais que ça n'a pas été médiatisé, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, on en a pris tous conscience. Des années 90, on retiendra donc les débuts de la technologie et une affaire de pédophilie qui a marqué la Belgique. Le tout sur fond de Phil Collins et de l'étrange histoire de Benjamin Button. Britney Spears leur succédera, ainsi que le Seigneur des Anneaux. Mais ça, ce sera pour les années 2000. Peut-être l'objet d'une prochaine capsule. Une série de podcasts réalisés par Marine Berger, Jessica Deleest et Lauriana Candela. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.